Allez, on va recommencer. 5, 4, 3, 2, c'est parti. Salut les crypto lovers, c'est Will Tamer et bienvenue pour l'édition du petit journal du crypto. Désolé, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton on air conclusion. Ben voilà, vous savez bien, des fois, je suis un petit peu à la masse. Alors avant toute chose, on va dire bonjour à toutes les personnes présentes sur le chat. Salut à mon petit Scalou, salut à Jijul, salut à Michmi, salut à Einbal, salut à Pierre Kasmir salut à Alban Thomas à Bass Bill, salut à Christophe Pirot et bro j'ai vu que t'étais Dièche, bienvenue à toi. Alors Miami Eagle, Jean-Benoît, Chris Ami Crypto, Lomirou, salut à Thomasson, salut à ha, ha 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 no sound mais no sound c'était pour moi, salut à Jean-Benoît et salut à tous les crypto lovers qui vont nous revoir après en live, enfin en replay pardon, sur la chaîne Culture Crypto. Alors aujourd'hui comme je le disais sans son, aujourd'hui c'est Clôture de fin de semaine. Bien évidemment, on va faire une analyse technique du bitcoin. Euh, vous aurez droit après de me demander de faire une analyse technique d'une crypto-monnaie. Donc n'hésitez vraiment pas. Hein. Donc ça va, réfléchissez bien à la crypto-monnaie que, que vous voulez. Salut Auto47. Euh, salut Osiri. Donc voilà. Salut Von gutten olivier Avant toute chose, oh, euh, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Welltamer Twitter et aussi sur Culture Crypto FR, bien évidemment. Alors chaque semaine, je vais recommencer maintenant à poser le programme. De la semaine, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, on va sur profil, bam bam bam, voilà. Donc théoriquement, vous devriez avoir ceci cette semaine sur YouTube et avoir le programme de la semaine. Comme euh, ici, c'est la vacance. Donc en tant que directeur de supermarché, lorsque j'ai mes managers qui sont en congé, bien évidemment, je dois faire des ouvertures, de fermetures, conclusion. Il y a des chances que je ne sois pas là tous les soirs vu que je termine à 20h15. Le temps de rentrer, ben, il est 21h et euh, manger, tout ça. Donc voilà. Donc j'essaye de refaire multi petit journal du crypto, j'essaie de récupérer. Euh, voilà, j'essaye de récupérer et ça fait super plaisir d'être là avec vous les crypto lovers. Alors, c'est parti, on, on va faire une petite market review et pour la petite market review, qu'est-ce qu'on fait C'est bien, on va sur, pam, coin market cap, et sur coin market cap, qu'est-ce que tu vois, market cap 860 millions de dollars, bon, ça fait mal au petit cœur de Welltemmer. En plus, par contre, on a le Bitcoin qui a 19 445 dollars, j'aurais jamais cru ça hier, on va analyser ça tout de suite après le... Market cap, il fait quand même 4,49%. Est-ce qu'il y a un rebond Est-ce qu'il y a un regain d'énergie des bulls contre les bears Va savoir ce qui va se passer. Bro, moi tout ce que je sais, c'est qu'au final, on a explosé les 18 000 dollars. J'ai su racheter à 17 500. Et là, je suis à 17 500 et quelques, et quelques poussières. Je suis très content. Alors on a Ethereum qui prend 8,70%. Tether, troisième position, USD Coin. Quatrième euh, position, BNB 5,71% à 205$. On a le Binance USD qui lui est en sixième position, suivi de Cadeno, la petite Eda Wang de Mon Cœur, XRP Jean-Pierre Riffard, le Solana qui reste là et le Dogecoin qui rentre dans le top 10 du Coin Market Cap. Alors, ah, voilà. Donc pour l'instant, aujourd'hui, c'est un Green Day sur les crypto-monnaies. Maintenant, on va passer à ce que t'attends, et ce que j'ai envie de vous expliquer, l'analyse technique du Bitcoin. Alors bien évidemment, on se retrouve sur Bitcoin BTC USD en monthly, ce qui signifie que un chandelier. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils étaient novices, donc je vais essayer de réexpliquer un petit peu les choses. Parce que c'est vrai que moi, ça fait quand même des années que je traite depuis 2009. Donc pour moi, c'est logique quand je vois ça, le, le, le graphe, je réfléchis même plus. Donc voilà, euh, comment dire. Donc je vais réexpliquer. Donc je suis en monthly, donc. 1 M, ça veut dire que je suis en mensuel que une barre que tu vois ici, ça représente un mois. Donc ça veut dire que là c'est le premier jour du mois et ici on est à 11 jours de la de la clôture. Tu vois 11 D et 6 heures. D'accord Donc ici ça veut dire qu'on a ouvert, on a fermé là, le plus bas était là, on est on est remonté, on a fermé là. Donc nous sommes sur le mois de juin et qu'est-ce qu'on voit Ben on voit qu'en fait, regarde un petit peu, on est venu rebondir et ça j'ai remarqué hier on est venu rebondir sur un précédent haut. Donc en fait, on a cassé le all-time high de 2017. Mais par contre, on est venu rebondir sur le haut du mois de janvier 2018. Vraiment. Et depuis, on est en train de remonter. Donc est-ce qu'on est qu on, on en train de faire cette fameuse mèche de la mort qui tue Donc je t'expliquais euh, pour essayer de liquider les gens. Est-ce que maintenant, le reste du mois, on va essayer de clôturer au-dessus de la moyenne mobile 50 monthly ça, c'est vraiment la grosse question sur laquelle je me pose. Parce que là, il y a quand même un petit rebond de 10% qui vient de s'opérer. C'est pas rien du tout. Ça va me faire 10%. C'est bizarre. Pourtant, le Bitcoin, on voit qu'il fait 2,59% ici. Je vais te montrer ça tout à l'heure quand on fera l'analyse technique sur le H1. Surtout, je vois quand même qu'au final, le récits est en train de se redresser. Par contre, hein, je vois aussi que. Sur le monthly, pour le moment, ben, l'histogramme est toujours rouge foncé. Quand l'histogramme devient rouge clair comme ici, ben, ça veut dire qu'on va avoir une inversion de tendance. Donc pour l'instant, ça ne veut pas dire charrette. Ici, pour l'instant, qu'est-ce que ça explique Ça explique qu'en fait, les bulls, ils, quand ils ont vu que le Bitcoin est, est atteint, a atteint 17 439 dollars, ils ont dit « c'est trop bas, maintenant on va commencer à le refaire monter ». Ça veut juste dire ça, c'est un sursaut. Hein, c'est un sursaut des bulls. Donc les bulls, ils sont dit, donc les acheteurs. Donc les bulls, c'est les acheteurs. Les beers, c'est les vendeurs. C'est les acheteurs contre les vendeurs. Et ton chandelier japonais te raconte une histoire. Il te raconte les acheteurs contre les vendeurs. L'ouverture, la fermeture, le plus haut, le plus bas. C'est super important et je crois que je vais refaire des vidéos. D'ailleurs, si tu veux savoir comment utiliser le chandeliers japonais, j'ai des vidéos tuto et je vais mettre ici le lien en description. Donc, hop, on recommence. On se met sur coin market cap euh, pardon on se met sur tradingview et on regarde un petit peu ce qui se passe donc je vais vous expliquer sur le monthly mais sur le monthly voilà euh, ça sert à rien de vraiment analyser en profondeur parce qu'on n'est pas fin du mois mais en tout cas pour l'instant on est on a percé la moyenne mobile 50 périodes on peut peut-être aller chercher la moyenne mobile 200 à 11 755 dollars mais avant bien évidemment si on devait percer on devrait aller chercher les 13 880 dollars maintenant c'est pas ce qui est en train de se passer ce qui est en train de se passer c'est une inversion de force entre les bulls et les beers. Donc, les bulls, les acheteurs sont en train de reprendre la main sur du très court terme. Bien évidemment, c'est important de comprendre que ce soit sur du très court terme. Alors, pour analyser maintenant la chandelle que tu vois ici, je vais cliquer sur le W. Le W, qu'est-ce que ça veut dire C'est du weekly. Donc, ça veut dire qu'une chandelle représente plus un mois, mais représente une semaine. Donc, ici, cette semaine, bah, tu vois qu'on s'est fait carrément euh, lessiver. Mais, début, fin mai, c'est ici début juin c'est là donc ça veut dire qu'on a commencé début juin à 3170 et qu'on se retrouve maintenant à 19.666. donc c'est plutôt sympa alors qu'est ce qu'on voit alors en parallèle euh, je vais répondre à ta question tout à l'heure après ludo donc qu'est ce qu'on voit on voit que pour l'instant c'est en train de remonter sur la semaine donc on voit quand même que ici euh, aujourd'hui nous sommes dimanche donc ce soir cette nuit à, minu à minuit euh, le bitcoin va clôturer sa semaine. Comme le bitcoin va clôturer sa semaine, yeah. pour que ça soit de bon augure, il faudrait qu'on clôture au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc, moi, mon objectif, si j'étais acheteur, tu vois, moi, il faudrait qu'on vienne clôturer au-dessus des 22 500, on va dire. Si ils arrivent à remonter au-dessus de 22 500, là, on pourrait dire qu'on a rebondi comme précédemment. Comme ici, tu vois, Un petit rectangle, je vais vous montrer qu'on a rebondi comme ici et comme là et là sur la moyenne mobile 200 et là aussi, voyez, hop. Parce que historiquement, c'est ce qui se passe toujours, généralement, on rebondit sur la moyenne mobile 200. D'accord? Alors, alors combien le prix de la moyenne mobile 200 La moyenne mobile 200 c'est 22 568. Alors c'est quoi le croisement de l'EMA verte et orange Alors l'EMA verte et orange, c'est un dead cross entre la moyenne mobile 25 et la moyenne mobile 100 période. Mais ici, celle qui, est plus, celle qui est plus importante à regarder pour le moment, c'est la moyenne mobile 200. Donc, comme je disais, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que on va clôturer en dessous de la moyenne mobile 200 Si on clôture en dessous de la moyenne mobile 200, ça veut dire qu'on va... Ouvrir une nouvelle un nouveau chandelier japonais on va le mettre en bleu hein, on va dessus on va ouvrir un nouveau chandelier japonais en dessous en dessous de la moyenne mobile 200 et ça c'est extrêmement berriche mais vraiment berriche Maintenant, vous voyez que c'est déjà arrivé dans le passé, qu'on a clôturé juste en dessous et qu'après on a eu vraiment un gros achat et on a fait ce qu'on appelle un spinning top donc un spinning top ici. Donc vous voyez ici, le mois, euh, la, la semaine du 16 mars, on a fait un corps, un petit corps avec deux grandes mèches. Ça fait une toupie. C'est ce qu'on appelle un spinning top. Donc, ce spinning top montre vraiment qu'il y a une envie des acheteurs de remonter vers le haut, mais on a aussi une envie des, des, des vendeurs de descendre vers le bas. Mais comme la, la mèche des vendeurs n'est pas descendue plus bas que la précédente, c'est les acheteurs qui ont pris la main, tout simplement. Voilà. Donc, ici, on, on peut se dire qu'aujourd'hui, on va peut-être clôturer là et que la semaine demain, les acheteurs vont pousser très fort pour remonter. Et ça, comment dire, ça, c'est quelque chose qui peut arriver, qui est probable. Personnellement, je pense que si on clôture en dessous, vraiment fort en dessous de la moyenne mobile 200, il y a un risque qu'on vienne chercher la moyenne mobile. Enfin, pardon, qu'on vienne chercher le all-time high qu'on a eu en Juin, enfin le all time high de l'année 2019 donc c'est à dire 13 880 dollars pourquoi parce que la moyenne mobile 200 période est, est vraiment une zone très très psychologique dans le bitcoin ça fait 10 ans que le bitcoin existe et ça fait 10 ans que le bitcoin rebondit sur la moyenne mobile 200 donc ce serait la première fois que ça casserait donc on va voir ce qui va se passer ok donc voilà, ça c'est le weekly. Maintenant, une fois qu'on a fait du weekly, donc, on divise le mois en semaines, et puis après on divise la semaine en jours. On passe sur le daily. Donc c'est ça, le day. d, D'accord Donc la semaine en jours, c'est 7 jours bien évidemment. Euh, papapam, normalement, tu dois voir... pop. J'ai oublié de le mettre. Apparence, vertical grid, pop, pop, pom, séparateur volet, ligne de temps, marge, filigrane, toujours visible. D'habitude, j'ai mes séparateurs qui sont là. Non Ouais, ça c'est autre chose. Séparateur, mes jours. arrière plan. trading, événement, ligne d'état, symbole, échelle. Comment ça se fait euh, D'habitude, j'ai... Euh... Comment ça se passe D'habitude... Euh... D'habitude, j'ai mes semaines qui sont dessinées. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, on va dire que ça, c'est dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Donc lundi, on a commencé ici. Ça a chuté blindé. Donc qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que hier, on a chuté jusque 17 629 dollars. Ça, c'est hier. Et une fois qu'on a touché les 17 629 dollars, hein, eh bien, les acheteurs ont, sont dit, on va racheter. Et du coup... C'était trop bas, donc ils ont acheté, 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 et on a clôturé la journée hier à 18 950 dollars. C'est-à-dire qu'en en... après avoir touché le bas, on est venu faire 7,75% et aujourd'hui, depuis le plus bas, on a fait 11,30%. C'est-à-dire que en moins de 24 heures on a déjà repris 11,30%. Euh, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va remonter. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une réaction des acheteurs au moment où on a touché la moyenne mobile 200. C'est ça qui est important de comprendre. Hein. Moyenne mobile 200 weekly, elle est là. Ok À 22 340. Euh, pardon. Euh, on a touché le bottom. Attendez. Hop, hop, hop. Je me trompe. Je raconte n'importe quoi. Ça veut dire qu'on est venu chercher. Voilà. Pardon. Hop. Ça veut dire qu'on est venu chercher ici. Je voulais vous montrer tout à l'heure. Je voulais expliquer un peu. Je ne sais, je vous, je, je vous le montre pas. Vous voyez, ça veut dire qu'on est venu chercher ici, là, quelque part ici. On est venu chercher presque. Vous voyez, le, le haut qu'on avait eu là. Il faudrait que je remette correctement mon, mon rectangle. Mais on est, on est venu chercher ce haut là. Et ça, c'est super important. D'ailleurs, regardez, je vais mettre ça. Hop, voilà. On est presque venu le chercher en délit en retournant en 2020 et ça, voilà. Bon, on est presque venu le chercher hier, vous voyez On l'a effleuré. Et comme on a effleuré, il y a une réaction des acheteurs. D'accord Alors, euh, une fois qu'on fait le délit, on passe sur du H4. Sur le H4, qu'est-ce qu'on voit ben, Sur le H4, on voit ce petit mouvement justement que je vous ai dit. On a touché le bas, voilà, ici il y a eu une réaction, on est remonté, puis on a rechuté, puis il y a eu un spinning top, un doji, carrément, un doji, et on pourrait appeler ça euh, un bébé abandonné. Donc, qu'est-ce qu'un bébé abandonné Donc, doji, bébé abandonné. Image. Alors, pop, 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 pom, une bonne image, voilà, hop c'est un, un morning, voilà, ouais, un morning star. Voilà, Sinon, ça s'appelle aussi le bébé abandonné. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un doji qui se passe entre une chute et une montée. Et ce, ce truc-là, le trading, c'est pas simple, hein, il y a beaucoup de choses à connaître. Donc, ce truc-là, donc vous voyez, une chute, et puis après, une montée. Et ça, ça montre vraiment un changement de mentalité très court terme, parce qu'on est sur du H4, très court terme, sur le bitcoin pour les acheteurs, donc les acheteurs et du coup juste après ça BAM il y a une grosse poussière acheteuse mais maintenant on voit que c'est en train de stagner, pourquoi Parce qu'on est venu attendez, je remets ça, hop parce que on a croisé ici le MACD, donc vous voyez on a fait le doji, on a juste croisé le MACD mais c'est pas très folichon c'est pas vraiment quelque chose de très fort. En plus, le Relative Strength Index, il est en train de buter sur la ligne MOF des 42 qui représente le plus bas qu'on a eu sur le Monthly. Du coup, psychologiquement, c'est super intéressant. Donc, ça, c'est vraiment du court terme. OK? Donc voilà, sur le H4. Une fois qu'on a fait le H4, on passe sur le H1. C'est vraiment sur le H1 qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se dessiner, mais c'est très 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 court terme, les gars. Hein D'accord Ce que je vous montre, c'est comme si tu tradais tous les jours. D'accord Donc qu'est-ce qu'on fait On prend les plus bas, on les rejoint, on prend les plus hauts, hein, les nouveaux plus hauts, bam bam, on les rejoint, on fait ça, et on voit qu'on est en train de dessiner un canal haussier, tout simplement. Donc en fait, on est en train de faire un petit canal haussier sur du H1. Ce qui est sympa, c'est qu'on a buté une fois ici sur la ligne verte. La ligne verte, c'est là moyenne mobile 25, on l'a cassé, hop, on a descendu, on a créé un deuxième point, hop, on est venu la casser, et en même temps, on est venu casser la moyenne mobile 50, la jaune, et on est venu créer un deuxième point aussi pour créer le canal. Maintenant, on est en train de surfer sur la moyenne mobile. Mais il y a des chances que... On vienne simplement faire ça, peut-être ça, ça, va savoir. Ça c'est juste des chances que je ne dis pas que ça va arriver, mais là on est sur du H1 les gars, du H1. Et pourquoi est-ce que j'ai mis ça là Ben c'est pas compliqué parce que le précédent plus haut en H1 après celui-ci c'est celui-là, tu vois Ça c'est le précédent plus haut. Et le précédent plus haut en fait on peut s'amuser peut-être venir, hop, on pourrait peut-être venir le chercher là et puis après redescendre tout simplement. Ça va Oui, ça c'est vraiment vraiment en très court terme, très très court terme. Maintenant, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Hein moi, je dis juste que on est en train de faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas sur du H1, ce qui veut dire que dalle. Hein, comme je vous ai dit, moi, j'aime bien analyser les crypto monnaies sur du long terme, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui fait un petit temps que c'est pas arrivé. On fait un bas plus haut que le précédent et on fait un haut plus haut le précédent maintenant reste à voir à ah, attendre encore autre chose ici je me suis trompé tu vois j'ai pas analysé encore en h1 voilà le prochain haut il est là donc je m'étais bien arrêté au bon endroit donc le prochain haut il est là donc maintenant on peut peut-être venir chercher ici à 20 820 et puis chuter. encore une fois tout ça n'est que spéculation c'est peut-être pas ça qui va arriver ce qui est intéressant aussi sur le h1 le h1 c'est qu'on voit que le RSI repart à la hausse et qu'on a eu un cross sur le MACD, mais malheureusement sur le MACD, on voit déjà qu'il y a une inversion de tendance qui est en train de se faire. Pourquoi Parce que tu as une divergence sur les histoires e par rapport au prix. Ça va Donc voilà, c'est très, 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 très important de comprendre que le H1 ce n'est que très court terme. C'est pour trader. Si je devais trader maintenant, je mets un short. Vous voyez Et, et je, je, je pense que personnellement, si je devais trader maintenant, hop, je place ici, je mets un short là je fais ça, et ma target elle est là. Je fais un risk and reward de 2, donc je, je gagne 2 pour perdre 1, voilà, et je, je place mon short ici, pourquoi Parce que t as, t as le back qui est là. Si on casse ici, mon, 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 mon trade y passe, pourquoi Parce que ici je vois bien que pour l'instant les histogrammes sont en train de chuter, donc ça, ça veut dire qu'il va y avoir un croisement, et que ça va redescendre vers le bas. Encore une fois, tout ceci n'est qu'une tendance, comme nommé Alban, on suit la Tendance. voilà sur du H1 c'est ce que je ferais mais personnellement vous savez bien que pour l'instant je suis plus en mode pas trading mais en mode plus investi un, investissement et bien là je regarde mon monthly tout simplement voilà et mon monthly il me dit bah écoute pour l'instant tant que on est en dessous de la moyenne mobile 50 ici en jaune et si on clôture en dessous il y a des risques, combien de chercher La moyenne mobile 200. Mais bon, tu vois quand même que depuis hier, hein, il faut dire la vérité, depuis hier, on a quand même repris. Et si on clôture au-dessus, c'est un fort signal, parce que comme je vous ai expliqué, généralement, la moyenne mobile 50 périodes sur du monthly, donc sur du mensuel, tient bon et le bitcoin repart après. Ça va Donc, ce qui est important, c'est de se dire, on va attendre, on va attendre la fin du mois. Avant de trader long terme, c'est mieux d'attendre la fin du mois. Donc, pardon parce que si tu attends la fin du mois, la clôture, c'est là que c'est intéressant. Parce que si on clôture au dessus, généralement quand on clôture au dessus, vous voyez, pardon, hop, ça repart à la hausse. Généralement, encore une fois, c'est super important de comprendre que c'est généralement. Ça va les gars, Donc, voilà. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé de le faire en trimestriel. Hop, on va regarder en trimestriel. Ah, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Parce que le problème c'est que je ne paye plus TradingView parce que moi je trade sur euh, je trade sur Bitfinex et sur Bitfinex j'ai tous les indicateurs que je veux et euh, sur TradingView bah, c'est chiant parce que tu dois payer donc voilà alors euh, mon indicateur avec les quatre lignes ça s'appelle le 4MA 4MA tu as directement 4 moyennes mobiles en un indicateur donc voilà Alors, on va répondre aux questions. Il ah, y en a un qui m'avait demandé de regarder l'USD. Voilà. Ouais, allez, sur, sur l'USD. Hein, ça plus cette bourse. Je sais pas si je l'ai ici. On va regarder. Contre le rogue. USD. EUR. Forex. Hein. Alors, que fait l'USD bon, L'USD, il prend... Aujourd'hui, les SD pumpent un peu. Donc le Bitcoin pump un peu. Alors, je suis face à un dilemme. J'ai acheté un, un autour des 4K et je suis persuadé que le terme va te contrer, continuer de chuter. Il ne me reste plus qu'à holder. Bah écoute, Alban, euh, si tu es gagnant, revends ton gain. Garde ce que tu as investi à la base. Moi, c'est ce que je préfère faire. Alors, Chris a mis Crypto. Pourquoi Bill Gates déteste le Bitcoin Hmm. Bonne question. Bonne, bonne, bonne question. Alors à côté de ça, tu as Steve Wozniak, donc le second créateur de Apple, qui trouve que c'est génial. Peut-être parce que Bill Gates n'est pas réellement un. Euh, et plus un businessman. Enfin, je sais pas, on ne pas, pas te dire. Franchement, je ne va pas te dire. Salut mon petit Xaltok, j'espère que tu vas bien, bro. Mais pourquoi est-ce que Bill Gates déteste autant le Bitcoin hmm. Peut-être parce qu'il a la solde des États-Unis. Alors, Quadrate Alexander. Cette chute fait un gros nettoyage sur la défi. Oui, effectivement. Il était temps. C'est la défi, c'était vraiment n'importe quoi. Alors, je suis extrêmement curieux de ton analyse rapide du SAPP. Alors, écoute, moi, je veux bien. Mais je t'avoue, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, euh, ça va être rapide. Hum, SAPP. En crypto J'ai pas. Y'a rien beau. Ah, du saphir Pardon. Bah, le saphir, comme ça, ou euh... ça Pardon. J'ai seulement tilté que c'est le saphir. Bah écoute, le saphir là, si c'est vraiment le saphir tous les savoirs, bah il fait un bas, un bas, et un bas. Il fait un haut, un bas haut plus bas donc il est dans une tendance de fond baissière c'est pas plus con que ça trading les gars voilà alors euh, biswap euh, Dimitri oui avais posé une question bonjour Will, tu es tu étais super en Biswap tu sais me dire si c'est toujours le cas avec tout ce qui se passe bah écoute pour l'instant Biswap j'ai tout retiré parce que euh, moi j'ai retiré énormément de mon argent euh, pour pouvoir réinvestir dans le bitcoin tout simplement alors tu crois que c'est juste prise de profit des shorts, donc rebond technique euh... J'irais pas te dire. Moi je pense qu'on a atteint quand même 17 000 dollars, c'est quand même sympa, tu vois. Je... On est venu chercher quand même le, le plus haut du, du, du mois de janvier 2018. Je pense qu'il y a peut-être un rebond qui s'est joué, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi je l'attends plus bas. Donc et je pourrais pas me prononcer tant que le, le mois n'est pas terminé. Et surtout je peux pas me prononcer tant que la semaine n'est pas finie, parce que tout va dépendre de la clôture de cette semaine-ci. Si on clôture au-dessus de la 200, on risque de partir à la hausse. Encore une fois, tout ceci n'est que supposition. Alors euh... non, pas celui-là. Lequel alors, vous Parce que. Donne-moi la paire exactement. Tu bien. Disons que j'en voulais un peu au cas où ça te montre Ok. Peux-tu regarder CTK? Le Fonda est ouf. C'est de la sécurité web 3.0. Il y a quasi pas corrigé avec la dernière. Intéressant. Le CTK. CTK, c'est ça? Ah, Quasiment pas chuté, il hein. a quand même chuté, bro. Il a quand même perdu 55%. Hein. Et le tronc a bien résisté, n'empêche. Ouais, parce que euh, Justin Sun avait acheté plein d'USD et qu'il a participé à la chute de Luna et qu'il a réinjecté à mort dans son, dans son tronc. Et surtout qu'il qu'il injecte beaucoup d'argent dans le tronc pour que l'USDD ne dépeque pas. Mes ordres sur Bitcoin commencent à 13 800. Peut-être que je suis trop pessimiste, mais quand on regarde les anciens cycles, le Bitcoin a toujours perdu plus ou moins 80%. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, même 80%. J'en je, je, parlais hier, en fait. Je sais pas si tu as, regard, si as regardé le petit journal du crypto hier où je disais que le Bitcoin était mort. Ah, face au Bitcoin, Sam. Ok, je vais regarder face au Bitcoin. Donc, euh... Donc hier, j'expliquais. Euh... J'expliquais. Exactement ce que tu es en train de dire, si tu veux, bro. Donc, j'ai mis un tweet d'ailleurs. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Where is my tweet? Voilà. Je disais justement que que le Bitcoin, la, mo la moyenne euh, des corrections est de 87,95% et que pour l'instant, elle est à 70,86%. Donc, ce serait logique qu'il continue de chuter. CTK face au Bitcoin. Ok, CTK, BTC. BTC, et après je peux faire à toi mon petit xale, là. Hop, CTK, BTC. Ah ouais, ouf, bien Et là, là, là tu vois, il est, il est carrément en consolidation. Euh, là, c'est vraiment très très bon, vraiment, parce que quand tu regardes le CTK, il est en consolidation, mais vraiment en consolidation de chez Consolidation. C'est très très bien ça. Il est dans un range, et il est toujours au-dessus de la moyenne, de la moyenne de, du prix d'achat. Donc il est plutôt pas mal. Et en plus, s'il casse ici euh, les 4056 Satoshi, il pourrait peut-être venir chercher. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais je trouve que ça, euh, il est plutôt pas mal. Hein, franchement, euh... il pourrait venir rechercher les 5760 SAT, ce qui nous ferait quand même une petite augmentation assez sympathique. De 46%. Hein. C'est pas mal. Belle découverte, euh, le CTK. Je vais regarder un petit peu là-dessus. Alors, j'ai acheté du Bitcoin entre 18 000 et 23 000. C'est bien. C'est cool. Moi, je l'ai acheté à 400. Crypto Mentor QC. Salut l'amigo. Alors, euh, dans 10 ans, je serai millionnaire. Bah, je te le souhaite, bro. Je te le souhaite. Salut mon petit oncle. Le crypt sous le Bitcoin J'espère que tu vas bien, bro. Ça donne combien les 85% de chute sur le Bitcoin euh, bah, Ça donne 13 000 et quelques. Même 11 000 et quelques, en fait. Hein, si je me souviens bien btc usd je l'ai fait hier en fait hein. donc hein. on était hein. ouais, on était à 11 000 et quelques hein. 85, ouais, 10 480 10 300 plus ou moins 10 000, 85% voilà 10 000 alors misscape devenir Bitmaker. en monthly sur bitcoin tu prends la hauteur des bottom tu reportes à la cassure et à l'objectif théorique du bitcoin celui ci nous amène à 13k euh... on va tester moi perso Moi, ben en plus, regarde un petit peu la correction, nous amène à la moyenne mobile 200 sur le monthly. Donc voilà. Donc on va. En monthly, tu prends la hauteur des bottoms. Tu reportes à la cassure et à l'objectif théorique de bitcoin. Ah ouais, d'accord. Prends ça. Bah, c'est ce qu'on a fait juste avant, en fait. Donc voilà. Alors j'espère revoir mon portefeuille envers un jour. Mais oui, un hein, bro. Alors, Jules, hmm, je te parle du SAPP car il me semble qu'il a la plus belle courbe de l'écosystème Crypto hors Bitcoin. Ok, mais je, je, le SAPP, le problème, c'est sur crypto, je ne l'ai pas. Regarde. SAPP. Il n'y a rien qui existe. Donc je veux bien essayer de l'analyser, mais je ne l'ai pas. Donc soit tu te trompes de, de paire ou soit euh, voilà. Crypto me fait rire avec cette huile, bah Crypto fait rire avec tout le monde, mais n'empêche le mec il a plus de 180 000 abonnés, tu vois Alors Tfuel, ouais c'est du lourd à hein, mon beau Tfuel c'est du lourd hein, regarde. Hop, oh, pour moi c'est, Là voilà, il a fait un méga pump, moi je suis rentré, enfin, voilà moi j'ai streamé sur la plateforme Theta donc euh, j'ai bien gagné. Donc voilà. Ah, si tu as si tu as vu le tweet de Crypto Future sur la liquidation de C20 etc, oui j'ai vu bro, j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu. vu. Donc voilà. Allez, on va terminer par le Litecoin car c'est euh, mon petit Xal qui m'a demandé le LTC et là je vais l'analyser un petit peu plus hum, LTC USD ou LTC BTC mon bro. Non, ça Ok, sur Bitfi, ça te va? Check le H1. Être êtes content? Ouf! 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 Généralement, quand le Litecoin fait ce genre de mouvement, les gars, c'est pas mal, hein? c'est beau ça, ah ouais c'est beau, c'est magnifique alors, et t'as quand même 11 000 abonnés, c'est énorme, ouais mais j'ai commencé quand même ma chaîne en 2017 accessoirement j'ai perdu ma première chaîne le mec ça fait deux ans, même pas qu'il a une chaîne il a 180 000 abonnés, tu vois donc voilà, apparemment il y a plus des suiveurs que des gens qui veulent, enfin il y a plus des rêveurs que des gens qui préfèrent être voilà une valeur sûre pour moi on en achète genre 30 USD et on les revend à 200, voit ouais Bitcoin c'est du bon hein. C'est dommage, je ne retrouve pas la bienveillance d'avant. CryptoFuture fait bien ce qu'il veut. En quoi ça nous fait aller de l'avant parler de lui. Oh c'est juste parce qu'on on, on a rigolé dernièrement sur cette suite. on se demandait quand même ce qui se passait. Il y a toujours de la bienveillance, tu sais, bro, mais pour ma communauté. En fait ce qu'il y a, c'est que quand je vois le genre de merde qu'il fait, tu vois, je peux. Je peux pas ne pas le dire, tu vois. Je suis désolé, tu vois. Voilà. Désolé. Et tu veux savoir pourquoi Merde. Attends. ah non c'est dans ma mail c'est dans ma mail je ne pas te montrer c'est dans ma mail mais voilà je fais euh, moi, moi quand tu mens à ta communauté quand tu quand tu hypes des projets qui puent du cul quand tu te fais du pognon sur tes abonnés mais bah, ça me rend malade tu vois donc euh, voilà donc c'est pour ça qu'on se un peu de sa gueule maintenant bah euh, écoute euh euh, tu as tout à fait le droit de te désabonner de machin euh, si ça ne te convient plus. Mais voilà, moi c'est surtout pour protéger la communauté que j'explique je, ça parce que le mec euh, il vend de la merde à ses abonnés et ça me rend malade, tout simplement. Et j'ai jamais, 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 jamais rien vendu à personne. Ah ouais, côté bon, Telos bon, Ergo bon. Alors le Litecoin a implanté l'anonymat WimbleWimble. Ah ça y est, enfin, t'as wimble wimble qui a passé sur Litecoin. Bah, attends, 53 dollars, c'est beau. Hein. Euh, bah il a été payé pour hein bro s'il a promu le MTO. Et euh, tu parles de Eagle, ben bah pareil d'eagle, euh, désolé quoi. Mais euh, pas que ça, pas que ça, pas que ça. Il a vendu des formations, euros à ses abonnés, euh, soi-disant trading. Tu sais quoi, le mec il a été chercher des trucs sur internet, il leur a montré comme ça. C'est du foutage de gueule quoi. Alors, euh, CTK est le leader des audits de sécurité. Ah c'est Certic euh, en fait. Ok CTK, merci, il fallait dire Certic tout de suite bro. Hum, tu te regardes les plus grosses cryptos à elles sont passer CTK et ce coin est fait Mark clap, il n'a pas encore pété. Bonne idée. Alors, le MTO, je me suis fait défoncer. Ben, je n'investis jamais de la thune sur lequel des youtubeurs parlent. Alors, euh, To the Moon et Optimist pour le pomme, ça va encore crash. Un vrai indicateur, ce mec. <laughs> Donc voilà. Allez. Euh, bah en tout cas, le Litecoin, euh, merci mon petit Xal, j'avais pas fait attention. Hein. J'avais vraiment pas fait attention. Voilà, regarde aussi un petit peu Luna, c'est la fête, hein. le Luna UST qui est en train de repumper en hein, dessous de la gueule des gens aussi. Nous, on veut des Brocoins à 1000$. Ah, à... bon, j'aurais dû les vendre, les Brocoins. Ben voilà, pour l'instant, aujourd'hui, le marché qui est, qui est, qui est chaud. Donc, euh, en résumé, faites attention. Attendez quand même la clôture du jour, en weekly. Hein. Attendez la clôture weekly. Si ça tombe, on va clôturer près de la moyenne mobile 200 et qu'après demain, bam, ça va repartir à la hausse. Donc faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Ça va Tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Tu le mets quand même, même si ça me fait du mal. Je m'en bats les steaks, ça fait. Du référencement, surtout ce qu'il faut faire, les gars, c'est mettre des commentaires, même juste un merci, même juste un ok, parce que plus il y a de commentaires sous, 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 sous la vidéo, plus YouTube euh, la promeut et plus j'essaye de, de toucher un peu plus de monde et on pourrait faire grandir la communauté, ça pourrait être assez sympa. Donc voilà. Euh... Ah, attends, attendez, je vais juste répondre à une dernière question parce que pour moi, elle m'intéresse. Est-ce que tu regardes les gaps sur les contrats à terme du Bitcoin Non, non. Absolument pas. Donc voilà. Merci à tous. C'était Temer. Passez une bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous demain pour un petit journal du crypto. Et surtout, bro, n'oublie pas. Choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace. Merci, les bro.